qui tient une faux avec un capuchon. Voilà. Et là autour, c'est les flammes de l'enfer. Ok, alors on ajoute un casque. Et on va liner tout ça avec un pinceau dur. Voilà. Du coup, j'ai pas eu de retour par rapport à la musique. Je pense que ça vous gêne pas. Dites-le moi si ça vous gêne. Ne vous privez pas si c'est trop fort, faut me le dire. Bon alors, ça va pas être hyper net hein, parce que du coup, comme ça en training, j'essaie quand même au moins de rendre un dessin fini. Je trouve ça mieux. Donc les contours seront pas hyper. Voilà. La porte, on va faire en marron très très foncé. N'hésitez pas à papoter hein, dans le chat, vraiment. Je regarde de temps en temps ce que vous m'écrivez, donc voilà, ouais. La poignée de la porte jaune. Là, du coup, j'avais dit le démon rouge. Augmenter la taille du pinceau. Bonjour, bonjour, deuxième spectateur. Hop, tac. N'hésitez pas à parler dans le chat, à me dire si la musique est trop forte, que je puisse régler les soucis de son qu'il pourrait y avoir. Ok,
Donc là, je sais pas si on voit bien, voilà. On supprime le croquis. On va. Voilà, donc un fond noir. Hop. Là, on va aller travailler le autour de la porte. Du coup, ça va être une flamme. En tout cas, un dégradé qui va faire penser à une flamme. Va falloir faire attention du coup à ce que le rouge ne se mélange pas au rouge utilisé par le petit démon, enfin pour le petit démon, le fameux gardien de porte rouge. J'essaie de pas dépasser, mais concrètement je peux, hein, parce que je vais recolorer par-dessus au niveau de la faune. Voilà. Augmenter la taille de mon pinceau. Du coup, il nous reste 21 minutes. Okay. Voilà, pour l'instant, je fais que les aplats. Hein. On va dégrader par la suite.
là. Je vais faire avec aussi. Ok, d'accord. Je pensais être tout seul là, du coup. J'ai vu qu'il y avait quelqu'un en deuxième, mais la personne est partie. Je ne sais pas qui c'était. Tac. J'avais bien fait, oui. J'ai bien fait un nouveau calque. Ça va au niveau de la musique, mi-faciale, juste pour savoir. Parce que du coup, je ne sais pas si tu m'entends bien, si la musique est trop forte. Plus que 16 minutes. Okay. Ok, donc voilà. Donc, petits ombrages quand même. On voit plus. Là, ok.
peu plus quand même. Ouais, voilà. On va rajouter du jaune. Histoire que l'effet de flamme soit plus présent quand même. Là. Voilà, là c'est bon. Ok. On va ombrer notre petit bonhomme, notre petit gardien de porte rouge. Peut-être même lui faire un visage, ça pourrait être pas mal aussi. Hyper content d'être là, quoi. Salut Marvelous Raph. Oui, j'enregistre. Tu pourras revoir en rediff. Désolé pour la couleur, elle est un petit peu dégueu au niveau de la luminosité. Je crois que j'ai oublié de jarter un filtre que j'avais mis sur ma cam, en fait. J'aurais dû l'enlever. Parce que du coup la luminosité est pas terrible. Est-ce que j'ai. Oui, j'avais refait un calque, tout va bien. Et merci pour le follow au fait. Ah, ça se voit pas, ça m'énerve. Oui, voilà. Allez, là, là. Là, on voit. Sérieux. Un petit peu de profondeur à ce gardien rouge quand même. Tac. Alors là il est tout noir mais tout va bien. Hein. On va descendre ça. Oui. Oui, l'écran est bien visible. Après, oui, comme je disais, j'ai utilisé un filtre sur ma. Enfin, mon téléphone me sert de cam et j'avais utilisé un filtre pour essayer d'améliorer la visibilité, mais c'est pas. J'aurais dû l'enlever parce que là, j'ai mis un rideau occultant et tout, et au final, il n'y en a plus vraiment besoin, quoi, du filtre. J'ai l'impression que ça fait du reflet. C'était pas voulu. Mais bon, c'est pas grave. Du coup, là, je me dépêche parce qu'il me reste 8 minutes. Donc, j'essaie quand même d'approfondir. Parce que bon, on va pas le laisser tout plat et sans texture. Ce serait un petit peu dommage. Hop. Mais du coup, oui, en septembre, je pense que c'est le bon plan, en fait, hein. D'attendre septembre, tu auras toutes les petites features en plus. J'ai vu que, bon, ils ont pas terminé, hein. Il y a pas mal de choses qui doivent encore arriver de ce que j'ai vu. Déjà, par exemple. J'ai appris qu'en fait, on n'a pas encore toutes les brosses. Il y a apparemment, j'ai lu du coup sur la page Kickstarter hier pour me renseigner,
Il y a une brosse prévue pour jouer sur les ombres et les dégradés sans l'espèce de d'effet fumé du pinceau doux, mais vraiment pour faire des dégradés comment dire, harmonieux, quoi. Et j'avais vu une autre brosse, mais je me souviens plus c'est quoi. En tout cas, j'ai vu qu'il y avait déjà. En tout cas. Pourquoi il me reste 1 minute, Mifa? Non, là, il me reste 7 minutes. Il me reste 7 minutes. C'est sur Colors Quest, tu as toujours un chrono, en fait, pour faire ton dessin. C'est un peu le challenge de voir justement qu'est-ce que tu vas pondre en. Là, du coup, c'était. Ah, je vais m'en sortir. C'était 30 minutes. C'était 30 minutes, donc ben là, il me reste 6 minutes sur les 30 que j'avais, quoi. Ça marche, Marvelous Raph. Je serai peut-être plus là, par contre, parce que là, c'est vraiment. Ça va être un stream court aujourd'hui. Je dois aider à faire du ménage, donc ben. Voilà, samedi on fera sûrement un stream plus long si je peux venir samedi faire un stream. Je sais pas encore trop ce que j'ai de prévu dans la semaine, mais voilà. Là c'était vraiment pour essayer de montrer un entraînement Colors Quest entier, hein, du coup. Alors, 6 minutes. Ah, il n'y a pas encore assez d'ombre sur cette porte. Je suis pas d'accord là. Bon, du coup c'est pas hyper net, hein, vu que bah c'est fait dans la précipitation. Mais je m'éclate après à les reprendre une fois qu'on peut les enregistrer. Je les reprends pour les finaliser quand j'aime bien ce que j'ai fait. Quand j'aime pas, non. Mais quand j'aime bien ce que j'ai fait, ça m'éclate du coup de les reprendre. Je trouve ça sympa à faire. Hop. Faire un peu d'ombre à cette porte quand même. Tac. Voilà. Possibilité de virer le chrono. Non, Mifasiole, non, c'est vraiment fait exprès en fait. En tout cas pour les entraînements Colors Quest, c'est fait exprès. C'est vraiment pour voir ce que tu es capable de pondre en fait dans le temps du chrono, quoi. Mais c'est pour ça que moi en fait quand il me plaise le jour suivant, tu peux l'enregistrer après avoir eu ta notation du coup. Et tu comme ça, bah, si ça te fait triper hein, de le finir, moi c'est ce que je fais. Mais du coup, comme je disais, je ne sais pas si tu as entendu ce que je disais, il y a encore deux brosses, deux types de brosses qui doivent arriver sur le logiciel. Ils sont en train aussi de réfléchir à comment dire la possibilité d'importer une image de ton téléphone, du coup, sur la Switch, enfin sur Colors Live. Si tu veux reprendre un croquis en fait, par exemple, tu pourras importer un croquis de ton téléphone sur Colors Live et tu pourras. Je réfléchis, je ne sais plus où j'en suis. Oui, tu auras la possibilité du coup de reprendre un croquis sur Colors Live. De redessiner par-dessus et tout, je sais pas quand ça va arriver, hein, mais je trouve ça chouette. Je trouve ça hyper chouette. Parce que justement, j'ai été un peu déçu en fait quand je l'ai eu. J'adore faire des croquis, tu vois. Et j'adore reprendre ensuite mes croquis au digital. Et du coup, j'étais un peu deg de pas pouvoir les reprendre sur le logiciel. Et ouais, j'ai fait un tour sur le Kickstarter hier, comme ça, pour vous parler des nouveautés aussi, en même temps. Parce que c'est cool de savoir ce qui va arriver dessus prochainement, quoi.
Je suis en train de regarder qu'est-ce que je pourrais faire d'autre là-dessus, moi. Il me reste 2 minutes. Bon, on va pas faire les 2 minutes, on va essayer de faire quelque chose de plus quand même. Mais ouais, ce serait, enfin, ce sera cool du coup de pouvoir emporter les images et de pouvoir les retravailler ensuite. J'ai vu que oui, il y a pas mal de features quand même qui vont arriver, ils vont ajouter des trucs et tout. C'est pas fini quoi. Pour l'instant, faut pas s'alarmer. Il y a vraiment, ah, faut que j'arrête de dire ça. Il y a vraiment des choses qui vont arriver. Ça va pas devenir complètement mort au bout d'un moment. Ça, je trouve ça chouette. Et ils prennent en plus sur le Discord en compte l'avis des gens. Donc, je sais que par exemple, moi j'ai mis une requête parce que par rapport à la galerie Colors Live, j'ai pu constater que j'ai eu des j'aime, tu vois. J'ai eu des j'aime sur mes images, mais j'ai pas été prévenu par le logiciel, je savais pas que j'avais des followers et tout. Il a fallu que je clique directement sur l'image pour le savoir. Et je trouve ça complètement con, quoi. Enfin, je veux dire, tu fais un truc à la DeviantArt, ben, tu fais un système de notification. Ne serait-ce que sur le menu, quand tu rentres dans le jeu, que ça puisse s'afficher directement quand tu arrives sur le jeu et que le truc te dise, ah bah tiens, voilà, t'as un nouveau follower, t'as un nouveau j'aime sur ton dessin. Et donc oui, j'ai mis une requête comme ça sur le Discord, et en gros eux ce qu'ils font c'est que t'as le modo, il met un pouce j'aime et un pouce j'aime pas. Et les gens, ils votent pour ton idée, en fait. Les gens sur le serveur Discord votent pour ton idée. Et si ça plaît plutôt bien, ben, tu sais que ça va être retenu. Après, quand est-ce qu'ils vont mettre en application ça? Ça, bonne question, mais ils vont le faire. Et je trouve ça bien. C'est vraiment, ils prennent en compte les avis, les idées de la communauté pour essayer de vraiment faire quelque chose de cool, et moi ça je trouve ça bien quoi. On n'est pas à 10 secondes, j'ai le feu au cul, mon Dieu. Vite, je baisse 2 secondes. Ah, dis-moi que c'est pas moche, pitié. Sur les vieilles images, c'est-à-dire du coup. Tu veux dire qu'une fois que tu as terminé le dessin, tu peux pas y retoucher, c'est ça? Bon, en tout cas, du coup, voilà. Je sais pas si tu vois bien. Donc voilà, l'illustration en entier. Du coup, je sais pas si tu avais entendu le thème. C'était Gardien de Porte Rouge. Voilà. Donc, petit démon gardien de porte. Bon, c'est pas net, hein, parce que comme je t'ai dit, enfin, comme je disais, 30 minutes, faut te dépêcher. Donc, bah, je me dépêche, hein, et je fais comme je peux pour au moins essayer de mettre de la profondeur un peu partout, des dégradés et tout. Mais après, là, par exemple, comme bah, ce que je viens de faire, ça me plaît, je pense que je vais reprendre hein, plus tard. Je vais la reprendre demain. Là, je peux pas y accéder, je peux pas l'enregistrer si je l'envoie pour notation. Donc demain, je vais recevoir ma note. Et là, je pourrais sauvegarder l'image et je pourrais faire comme avec celle que tu as vue sur Instagram et tout ça. Je vais pouvoir les. Ah oui, ouais, ça. Ouais, bah oui, ouais, moi aussi. Donc du coup, ouais, ça m'embête qu'on n'ait pas de notification sur le menu, ouais.
Donc là, ouais, l'image, elle est en train de s'envoyer pour notation. Comme je disais la dernière fois, les personnes qui notent, ben, c'est du coup, c'est les gens, en fait, hein, les gens qui sont sur Colors Live et qui font des dessins eux aussi. Et on leur demande ça à chaque fois qu'ils ont terminé, du coup, une mission Colors Quest, en fait. Donc là, c'est ce qu'ils sont en train de me demander. Ils m'ont demandé, avant de terminer, aide-nous à choisir quelques favoris. Donc là, du coup, je rapproche mon écran pour que vous voyez mieux. On a le thème In the Shade, que moi, du coup, j'ai déjà passé, donc dans l'ombre. Et il faut que je sélectionne mes deux préférés. Donc bon, généralement, je privilégie pas forcément la qualité du dessin, enfin le niveau du dessin plutôt, mais je vais avoir tendance à privilégier le thème en fait, hein, si ça correspond bien au thème ou pas. Genre là, pour moi, c'est dans l'ombre. Là, bah pareil en fait, hein. Du coup, je fais envoyer mon vote. Et on va me demander de le faire pour quatre thèmes différents. Là, j'ai un apprenti. Bon, bah là, l'espèce de magicienne, là, pour moi, clairement, c'est une apprentie, hein. Après, par contre, on voit que des fois, c'est un peu, enfin, c'est un peu hors sujet, en fait. C'est un peu dommage. Mais, allez, on va dire que là, les bases. T'en as un tout beau et un peu moche à côté, c'est l'apprentissage, donc ouais, ça marche. A small herd, donc là, bah, c'est un petit troupeau. Je vous fais la traduction, hein. Je pense que d'ici septembre, on aura les traductions des thèmes. Après moi, j'aurais clairement fini Colors Quest d'ici là. C'est dommage, hein, que le mode soit pas infini. Je trouvais que c'était un bon, c'était une bonne excuse en fait, hein, pour s'entraîner tous les jours, un bon motivateur. Ah bah tenez, le thème que je viens de faire, Red Gatekeeper, du coup. Là, c'est vachement stylé, je trouve. Ça marche bien. Et là, espèce de truc qui fait vous ne passerez pas, c'est pas mal aussi. Voilà, donc là, voilà, j'ai envoyé tous mes votes. Je retourne au menu principal. Ouais, du coup, je réfléchis à quoi dire d'autre. Niveau, comment dire, les timelapses qu'on peut voir sur le site quand on importe nos images. Pour l'instant, c'est dommage parce que ça fonctionne pas bien sur leur site. En fait, le truc existait déjà, du coup, comment dire, il existait déjà pour la 3DS. Et du coup, en fait, pour l'instant, il est programmé plus pour la 3DS que pour la Switch. Du coup, ouais, les timelapses fonctionnent pas très bien sur le site et c'est dommage parce que du coup, moi, quand je partage ma galerie Colors Live, je trouve ça con que les gens puissent pas voir le timelapse correctement alors que moi, là, si je clique, je le vois se faire super bien en fait, hein, sur l'écran de ma Switch. Et ce qui est bien, c'est que là, le dessin, par exemple, je l'avais commencé du coup en live. Je l'avais pas fini. Et en fait, je l'ai repris ensuite parce qu'on peut cliquer sur continuer à peindre. Et là, du coup, la suite se compile au timelapse de départ qui existait déjà du coup du premier essai, premier croquis. Je trouve ça vraiment génial. Bah là, par exemple, on va reprendre. Je réfléchis. Tiens, celui-là aussi, je l'avais fait en live. J'avais fait un croquis vachement. Comment dire? C'était très très brouillon parce que, pareil, c'était 30 minutes. C'était une pile colorée, mais évidemment, j'ai voulu partir dans le détail. Et du coup, je me suis retrouvé que ben j'avais le chrono aux fesses, quoi.
Et du coup, je l'ai repris après parce qu'en fait, je la trouvais vachement cool, ma bibliothèque, même pour un brouillon, hein. Et du coup, voilà. Là, par exemple, on va voir que bon, ça, c'est ce que j'ai fait pendant le live. Ça s'arrête à peu près une fois que le fond est noir et que j'ai mis toutes les couleurs. J'ai commencé un ombrage aussi, mais ça reste très très brouillon. Voilà. En gros, ça s'arrêtait là. Et là, on voit du coup la suite. Du coup, on va voir le line. Qu'est-ce qui me fait? Ouais, si. Le line corrigé. Ah, même pas, il me tape un bug là. Ouais, non. Tiens, c'est marrant, ça ne marche pas avec tout, à moins que. Je suis en train de regarder. Hein. Ouais, non, tiens, c'est drôle, ça ne marche pas avec tout. Mais en fait, j'ai l'impression qu'il y a des outils que la visualisation de timelapse prend pas encore bien bien en compte. Du coup, j'ai déjà eu ça avec l'outil de sélection. Ils sont en train de tout remanier. Encore une fois, de toute façon, c'est qu'une bêta. Donc c'est normal qu'il y ait des trucs qui buguent un peu et tout. Mais bon, on peut dessiner. Il n'y a pas de problème. J'ai jamais rencontré vraiment de bugs en dessinant. Ça reste quand même assez fluide. C'est juste ouais, la visualisation des timelapses qui n'est pas encore tout à fait fixée. Et puis il manque quelques brosses et quelques fonctionnalités. Mais ouais, je trouve que franchement pour le prix, parce que bon, normalement une tablette à écran, c'est 200 € minimum si tu la prends pas en occasion, quoi. Alors que bon, là, moi j'ai ma Switch Lite, je l'emporte partout où je veux. J'ai payé 73 € avec les frais de port pour la bêta, mais je sais que j'aurais pu attendre septembre, payer que 50 € et avoir quand même quelque chose d'aussi qualitatif, quoi. Enfin, même plus, parce que normalement les bugs seront fixés. Et sûrement que les deux nouvelles brosses seront là. Et enfin, voilà. Bon, bah, du coup, je vais vous laisser là-dessus. Et on verra. Il y aura peut-être un prochain live dans la semaine. Sûrement samedi, je pense. Je pense que s'il y a un live, ce sera samedi. Mais voilà. Bah, du coup, je vous laisse. Et je vous fais des bisous. Merci d'avoir suivi le stream.